côté, je suis profondément scandalisé par l'absence de réponse immédiate. Je crois qu'il est urgent de lancer un avis de recherche où est l'État. L'État n'est pas là simplement pour laisser casser et ensuite prendre un par un des sanctions contre des individus qui se sont comportés ainsi. Il y a un moment où il faut réagir immédiatement, car aujourd'hui, on donne la prime à la violence d'un certain nombre de groupes communautaristes qui ont le haut du pavé. Donc ça ne peut plus durer. Et il y a un moment, s'il va falloir réagir formellement et qu'il y a de la casse, eh bien il y aura de la casse. Mais on ne peut pas continuer comme cela, car c'est véritablement, je dirais, un scandale. Il n'y a plus d'État dans ce pays. Valls, pourtant, Taubira, Cazeneuve ont tous les trois réagi assez rapidement hier soir. On sent qu'ils veulent faire preuve de fermeté. Non mais vous plaisantez. Ce sont des mots. Rien que des mots. Mais l'État n'est pas là pour laisser faire. Il est là pour agir. Quand sur l'autoroute A1, on laisse 24 heures gens du voyage bloquer l'autoroute, lorsqu'à un moment, s'ils cassent et que les forces de l'ordre n'interviennent pas, non, ce n'est pas acceptable. Les mots du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et de la garde des Sceaux, ce sont simplement, je dirais, des mots et rien que ça. Donc ce n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, je vous le dis, il est urgent de lancer un avis de recherche. Où est l'État ?